Allez, feu. Feu sur toi. Feu sur toi. Le feu. Le feu consume tes œuvres. Dans ce cas, le feu consume tes œuvres. Allez, lâche-la. Lâche, fuis. Allez, quitte ce corps. 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 Ton pouvoir est terminé. Au nom de Jésus, je mets fin à ton pouvoir. Puissant de la sorcellerie. Je mets fin à ton pouvoir. Je mets fin à ton pouvoir. Fin! Fin! Allez, quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Au nom de Jésus. Lâche-la. Va-t'en. 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 Le feu sur toi. 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 Lâche-la. Je casse tes ailes. Je détruis ton pouvoir. Dans ce corps, puissant de la sorcellerie, puissant de la sorcellerie, tu quittes sa vie au nom de Jésus. Tu quittes sa vie au nom de Jésus. Le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi, au nom de Jésus. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Va quitter sa vie. Je détruis ton pouvoir. 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 Au nom de Jésus. 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 Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Au nom de Jésus. Puissant de la sorcellerie. Ton pouvoir prend fin. Ton pouvoir prend fin. Ton pouvoir prend fin. Ton pouvoir prend fin. Au nom de Jésus. Ton pouvoir prend fin. Ton pouvoir prend fin. Ton pouvoir prend fin. La puissance de Jésus, 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 la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus, c'est quoi je dis, Jésus te délivre, Jésus te délivre. Hey, tu fermes ta bouche maintenant. Tu fermes ta bouche. Pouvoir de la sorcellerie. Je déstabilise ton pouvoir. Je détruis 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 ton pouvoir. Tu lâches totalement son âme. Et tu lâches son esprit. Et tu lâches tout son être. Au nom de Jésus, ton pouvoir prend fin. Ton pouvoir prend fin. Ton pouvoir prend fin. Au nom de Jésus, je casse tes ailes. Je détruis ton pouvoir. Les souliers du dragon est chassé dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir du dragon. Dans le nom de Jésus. J'ai vu comme c'est des varons. Come on! Allez! Chaud! Feu! Feu! Allez! Feu! Amène-la ici. Alors, amène-moi là ici.
Ils sont de la sorcellerie. Ils sont de la sorcellerie. Je détruis ton pouvoir. Tu m'attends? Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Et tu lâches ta vie. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Je condamne tes œuvres. Je détruis ton pouvoir. Au nom de Jésus. Sors! Feu! Lâche-la. 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 Quitte sa vie. Libère-la. Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Lâche-la. Lâche-la. Feu! Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, ton règne prend fin. Ton règne prend fin. Jésus. Jésus est désormais le roi. Il règne sur cette vie. Au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Maintenant. Maintenant. Jésus t'écrase. Jésus t'écrase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette vie ne t'appartient plus. Cette vie ne t'appartient plus. Au nom de Jésus. Elle appartient maintenant, désormais à Jésus. Tu lâches totalement sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur notre Dieu. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ça va? Ça va toi? Ça va? Bien. Fais comme ça. Fais comme ça. Va t'asseoir là. Ouais. Va t'asseoir là. Ça va? Amen. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles, 1 Roi, le chapitre 3. On dit Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles, 1 Roi, le chapitre 3. 1 Roi, le chapitre 3. À partir du verset 17. Jusqu'au verset 27. Qu'est-ce que c'est qu'une Bible? Montez les Bibles. Amen. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous allons d'abord écouter la parole de Dieu. Alléluia. Si y a quelqu'un, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Si y a quelqu'un juste à côté, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous allons écouter la parole de Dieu. On y va, soutien. 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 17 au verset 27. On y va. L'une des femmes fut. Pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort.
Je l'ai regardé attentivement Alléluia. Le matin. Alléluia. Regardez, écoutez, elle dit, je l'ai regardé attentivement le matin. Allons-y. Et voici. Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit. Au contraire. C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Amen. Mais la première répliqua. Nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne lui fait point mourir. Mais l'autre dit, il ne serait ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenait la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir, car c'est elle qui est sa mère. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu bénisse ce soir. Amen. Regardez cette histoire. Au moment où Salomon était roi d'Israël, on nous parle de deux prostituées. Vous voyez, deux prostituées, ça veut dire quoi? Des femmes qui se vendent pour de l'argent. Elles se vendent leur corps pour de l'argent. Elles ont décidé de vivre ensemble. Ça veut dire qu'une avait une maison. Un père a décidé d'héberger sa collègue prostituée dans la même maison qu'elle. Amen. Elles ont accouché, elles ont pu grossir dans la même période. Elles ont accouché dans le même mois. Amen. Voici l'histoire bizarre qui s'est passée dans la même maison. Pendant que les deux dormaient, il y a une qui est venue se coucher sur son bébé. Elle est couchée sur le bébé jusqu'à ce que le bébé meure. Vous comprenez? Ça dit avant que l'enfant est mort d'étouffement. Avant que l'enfant ne meure, il a certainement crié. Il a certainement pleuré. Mais la maman a dormi sur l'enfant. Elle ne s'est pas réveillée. L'enfant est mort. Et pendant que l'autre qui avait son bébé vivant dormait, il y a eu un échange. Amen. Elle prend le bébé. Son bébé mort, elle va le mettre dans le sein de sa camarade. Elle prend le bébé de sa camarade et met dans son sein. Amen. Mais la dame, elle va se réveiller dans la nuit, pour allaiter son bébé. Elle va regarder attentivement le bébé. Elle constate que le bébé là, c'est pas mon bébé. Amen. Oh, vous connaissez Bouche de Sorcier. Elle a commencé à dire, Suzanne, si tu disais à faire des amusements, là, on n'a qu'à arrêter ça. Sinon, en temps normal, ce bébé n'est pas ton bébé. La discussion a fait que la dame a décidé d'aller voir se plaindre devant le roi. Alléluia. Écoutez très bien mon message. Vous voyez? Et regardez un peu dans cette pratique, nous voyons un peu la pratique de la sorcellerie. La dame, elle ne savait pas qui était réellement sa camarade. Elle ne savait pas. Elle a simplement rendu un service à une camarade. Or, le vrai visage de sa camarade va sortir le jour où elle a eu des problèmes. Or, pour qu'un enfant meure, il a certainement pleuré. Donc, je vais me poser la question. Qu'est-ce que les femmes ont dû prendre ce jour-là? Comme elles vivaient sa vie, donc elles ont eu froid, elles ont bu. Comme Koutoukou n'est pas cher, certainement elles se sont pelletisées, elles ont bu pelet. Pelet, c'est pas chaud. Un lit, c'est fait combien? C'est 600. Un lit, ça fait 600. Donc elles ont bu pelet, elles ont bu pelet. Et voici le résultat de pelet. J'ai eu mort d'enfant dedans. Or, dans cette maison, il y avait une femme qui pratiquait la sorcellerie. Elle va montrer son vrai visage. Elle va faire le troc. L'enfant gâté mort. Elle va changer ça. Frère, il faut faire attention à ton entourage. Il faut faire très attention dans ton entourage. Amen. Le diable te détruit. Il fera tout un effort pour entrer dans ton intimité. La femme, elle avait pour camarade, elle s'est dit, non, elle a rendu un service. Elle a rendu service à une camarade. Or, pourtant, cette femme, en elle, avait un esprit.
un, vous voyez, un esprit d'ingratitude. Elle est ingrate et méchante. Comment comprendre que sa femme, son enfant meurt et puis elle troque le bébé? Elles ont les sorciers ont le pouvoir de faire des trocs. C'est pour cela que quand tu es avec quelqu'un, il faut le maîtriser. Vous vivez sur le toit, vous vivez une personne. Tant que vous ne maîtrisez pas la personne, c'est elle qui va vous maîtriser. La peur. Pendant que l'autre dormait, il y a eu un change sur le plan spirituel. Pendant que toi tu dors, quand tu ne maîtrises pas la personne qui est autour de toi, elle est en train de faire des pratiques mystiques dans ta maison. Elle a hébergé sa camarade. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, ils n'ont pas de raison. Non, mais elle n'a pas de problème. Elle a un problème de toi. Il faut que je l'héberge, oui. Mais voici la pratique de la dame. Voici la pratique de la dame. La nuit, pendant que l'autre dormait et son bébé est mort, elle va commencer à pratiquer la sorcellerie. Elle va changer son bébé. Frère, c'est pour ça qu'il faut très attention. Les gens qui vivent sous votre toit, faites très attention. Il faut être convaincu que celui qui vit, qui mange avec toi, qui est dans la même maison que toi, est avec toi. S'il n'est pas avec toi, c'est lui qui va te détruire. C'est lui qui va te détruire. Les gens avaient peur de Jésus. Elles avaient peur d'attraper Jésus. Mais c'est Judas qui l'a livré. C'est Judas qui l'a livré. Je vous demande, je ne vais pas ne pas héberger les gens. Mais frère, Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Si vous êtes dans une maison, que vous mettez un système de prière en place, que la personne qui refuse de prier, elle doit dégager. Parce que votre maison est la maison de Dieu. Si la personne n'accepte pas de marcher dans votre vision, or la Bible dit, pour que deux personnes marchent ensemble, ils doivent avoir la même vision. Si vous n'avez pas la même vision, il sera grave, il sera difficile d'avancer. Or, elle vivait ensemble avec sa camarade, mais elle n'avait pas la même manière de voir la vie. Elle n'avait pas la même manière de voir la vie. Quand il y a eu un problème, c'est cette femme-là qui l'a gâté. Alléluia. C'est cette femme-là qui l'a gâté. C'est cela que, par moment, il faut souvent changer des amis. Dans les moments difficiles, elle a abandonné. Or, pourtant, cette femme l'a rendu un service. Mais dans les moments difficiles, c'est cette femme-là qui l'a abandonné. L'ingratitude. La sorcellerie est caractérisée par l'ingratitude. C'est ça que quand vous vivez avec quelqu'un, il faut maîtriser la personne. Si vous constatez que vous n'arrivez plus à vous entendre, que vous constatez que vous n'arrivez plus à voir de la même manière, ce n'est plus la peine d'avancer. Amen. Amen. Sinon, elle va faire tomber son camarade. Elle fera tomber son camarade. Amen. Donc, regardez ce qui s'est passé pendant la nuit. Et le problème, c'est ce qui s'est passé dans la nuit. Or, le sorcier travaille la nuit. Et pendant que toi, tu dors, le sorcier a fait quelque chose dans ta vie. Il a fait quelque chose dans ta vie. Il a chipé quelque chose. Il dit, pendant que je dormais. Elle dit, pendant que je dormais, cette femme a pris mon enfant. Pendant que toi tu dormais, le sorcier est venu prendre ton mariage. Ils ont ce pouvoir de chipper. Ils ont pris quelque chose pendant que tu dormais. Ils ont pris ton mariage. Ils sont les bons. En sorcellerie. Pendant que toi tu dormais, c'est pour cela qu'un chrétien doit avoir une vie de prière. Un chrétien doit avoir une vie de prière. La femme, elle dormait. Elle ne savait pas ce qui s'est passé dans sa maison. Pourtant, dans sa maison, il y avait une femme sorcière. Sorcière dans la maison. Qui a fait l'échange, qui a fait le troc. C'est pour cela qu'un chrétien doit toujours rêver. C'est pour cela que la Bible dit que veillez et priez. Veillez et priez. Pendant qu'elle dormait, quelque chose s'est passé dans la nuit. Pendant que toi, tu dormais quelque part, quelque chose s'est passé dans ta vie. Un sorcier est venu prendre ta chance. Un sorcier est venu prendre ton mariage. Un sorcier est venu prendre quelque chose de toi. Il est venu chipper ça. Quelque chose de toi. Il est parti avec. Je connais l'histoire de quelqu'un qui est devenu sous-préfet. Qui a fait l'ENA, tout ça. Il est devenu sous-préfet. Ils l'ont nommé. Le jour où il voulait prendre son premier salaire, il est mort. Le jour où il prend son premier salaire, il est mort. C'est dans la région de Mato, là-bas. Et quand je suis venu dans le village, j'ai commencé une prière et son papa a commencé à parler. Il dit qu'il a tué son fils. On dit comment il dit que lui, il avait un crédit. Donc il allait prendre cette histoire, l'intelligence de quelqu'un.
qu'il devait devenir sous-préfet dans un village, et puis il est venu donner ça à son fils. Donc en temps normal, son fils ne doit pas manger le salaire de sous-préfet. Quand son fils a mort, quand si son fils mangeait, lui mourait. Et quand son fils a voulu prendre le salaire, le fils est mort. Et le vieux dit, en réalité, le fils n'était pas sous-préfet. Il allait prendre ça parce qu'il avait des crédits à rembourser. Vous voyez? Donc les sorciers ont cette capacité de prendre, chipper, de chipper la bénédiction, de chipper quelque chose, de voler quelque chose. Elle constate, regardez ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Elle s'est réveillée, elle a constaté que quelque chose s'est passé autour d'elle. Toi, c'est pendant que tu es réveillé un matin, tu constates que quelque chose ne va plus dans ta vie. Quelque chose, j'ai regardé et j'ai constaté que ce n'était pas mon bébé. Toi-même, tu constates que rien ne va dans ta vie. Tu constates que la situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas cette vie que tu dois mener. Amen. Mais regardez cette femme, elle a commencé à échanger avec la dame, mais elle n'est pas restée tranquille, elle est montée à Jérusalem. Dis amen. Elle est montée à Jérusalem. Elle a dit, si ça reste entre elle et moi, je vais perdre le combat. Si ça reste entre elle et moi, je vais perdre ce combat. Je vais monter à Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est la cité des rois. Elle est montée à Jérusalem pour poser plainte. Nous avons un roi, frère. Et le roi des rois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un sorcier t'a chipé la bénédiction. Et pendant que tu dormais, quelqu'un est venu voler ta richesse. Quelqu'un est venu voler ta bénédiction. Ne reste pas silencieux ce soir. Ne ferme pas ta bouche, fais comme cette femme. Monte à Jérusalem. Amen. Pour prêter devant le roi. Nous allons tenir debout. Alléluia. Amen. Nous allons tous monter à Jérusalem. Pour dire à Jésus, voici ce qui s'est passé. Nous allons tous monter à Jérusalem ce soir. Tu vas parler à Jésus pour dire, tu n'es pas d'accord de cette situation dans laquelle tu te trouves. Et tu vas demander au Jésus-Christ de te délivrer. Ouvre la bouche et parle. Oui. Ouvre la bouche et parle. Pour dire Jésus, je me tue maintenant, Jérusalem. Je me tue dans ta présence. Je constate que ils m'ont volé quelque chose. Ils m'ont volé ma santé. Ils m'ont volé ma chance. Ils m'ont volé ma bénédiction. Ils m'ont volé quelque chose. Jésus. Jésus. Pendant que je dormais, voici ce qui s'est passé. Jésus. Jésus. Le diable m'a arraché. M'a arraché quelque chose. Oui, Jésus, ma chance a été volée. Ma chance a été volée. Ma chance a été volée. Jésus, Jésus, étends ta main. Jésus, étends ta main. Jésus, étends ta main. Oh là 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 là. Prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous prions, nous prions. Il faut que le diable te restitue. Il faut qu'il te restitue. Ce qu'il t'a volé. Ce qu'il t'a volé. Ce qui t'a volé, ce qui t'a volé, il faut qu'il te donne, qu'il te restitue, ce qui t'a volé, ta santé, ton voyage, ton mariage, ta prospérité, qu'il te restitue. Oui, le feu, le feu, le feu, 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 feu. La délivrance a commencé, la délivrance a commencé. Le feu, le feu, le diable va te donner ce qui t'a volé. Le feu, le feu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est à l'œuvre, est à l'œuvre, est à l'œuvre, est à l'œuvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il doit te ramener dans ton enfantement, il doit te ramener ta fécondité, ton mariage, ta santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, Satan, sorcier, je redonne ce que tu as volé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelque chose se passe, quelque chose, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, 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 feu. Lève la main. Ils vont vous restituer ce qu'ils vous ont volé. Ils vont te rappeler ça. Je t'ai tué le pouvoir. Je te délivre du célibat. Je te délivre de la stérilité.
Je te libère. Au nom de Jésus. Le feu. 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 Consume vos œuvres. Le feu 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 consume vos œuvres. Il te ramène ce qui t'a volé. Il te ramène ce qui t'a volé. Maintenant même, le diable vous ramène tout ce qui vous a volé dans le nom de Jésus. Il vous ramène tout ce qui vous a volé. Il vous ramène tout ce qui vous a volé. Il vous ramène tout ce qui vous a volé au nom de Jésus. Ton voyage revient. Il te restitue ton voyage. Il te restitue ton argent. Il te restitue ton argent. Il te restitue ton argent. Il te restitue ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, recevez la délivrance. Reçois. Reçois. Ta fécondité. Ta fécondité. Ton mariage. Ta bénédiction. Dans le nom de Jésus. 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 Au 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 nom de Jésus. Nous proclamons vaincu le royaume des ténèbres lié contre vos vies. Au nom de Jésus. Satan a échoué. Satan a échoué. Ils ont tous échoué dans le nom de Jésus. Nous n'aurons pas raison tout le temps sur ta vie. Jésus-Christ te délivre maintenant même. Mon Dieu vous libère maintenant. Mon Jésus vous délivre maintenant. Mon Jésus vous délivre. Et maintenant, la puissance de Jésus vous délivre. La puissance de Jésus vous délivre. Veuillez vous asseoir. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. La puissance de mon Dieu te libère. La puissance de mon Dieu te délivre. La puissance de mon Dieu te délivre. Jésus te délivre. Pas. Je te libère maintenant même. Dans le nom de Jésus. Je te libère maintenant. Feu! Lâche-la. Lâche sa vie. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Oui, je brise les chaînes. Je brise. Je brise. Je brise. Feu! Je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes de la captivité au nom de Jésus. 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 Je proclame maintenant même ta délivrance. Lâche-la. Lâchez-la. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Vous m'entendez? Libérez-la. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Au nom de Jésus, lâche-la. 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 Tu vas partir et lâcher sa vie. Tu vas libérer sa vie. C'est un ordre. Lâche-la. Lâche-la. Lâche sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis ta présence et je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, libère-la, au nom de Jésus. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Le feu sur toi, 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 le feu, le feu, le feu sur toi, 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 le feu consume tes œuvres dans ce corps. Je détruis ta présence. Je détruis ta présence. Je détruis ta présence. Je détruis ta présence. Je libère ton âme. Tu m'entends? Lâche-la. 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 Tu vas la libérer? Oui, libère-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Le feu. Lâche-la. Lâche-la.
Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Allez. Tu vas la laisser? Lâche ta vie. Au nom de Jésus. Sorcier là-bas. Qui fait sorcellerie? Qui est sorcier? Qui est sorcier? Allez, appelle ton camarade. Toi-même, tu es là, là, tu sais ce que tu es. Qui est sorcier? Qui est le plus dangereux? Dangereux, dangereux, c'est qui? Non, laissez, son frère. Qui est dangereux? Qui est grand, grand, grand? C'est qui? C'est qui? C'est toi. Viens. Gouvezou soua, amanou y sabayou. Gouvezou soua, amanou y sabayou. Amanou y na ou kaoule, amanou kawa kouya ya. Sorcier ou pas? Je suis sorcier. Ah. La question s'en est posée. Vous êtes grand sorcier. Vous êtes grand sorcier. Pourquoi le grand là ça? Toi, tu n'es pas grand sorcier des oraux. C'est pas toi qui es venu chier en sorcellerie hier avant tes nuits ici? C'est pas toi? Prends le micro, c'est pas vous? Vous, c'est moi. Hein? Moi. Hein? C'est moi. C'est pas vous qui êtes venu chier en sorcellerie? Tu connais pas où il y a baissé? Tu sais pas où il y a baissé? Tu as chié caca sur Céleste, c'était pourquoi? C'était pourquoi? J'ai venu, j'ai commencé à prier, c'est ça. Et puis le Saint-Esprit a fait disparaître. C'était pourquoi? C'était pour me tuer, c'est ça? C'était pourquoi? Hein?
C'était pourquoi, monsieur, parlez. C'était pourquoi. C'est pas mal. C'est quoi? C'est quoi? C'est quelqu'un là, c'est dans l'anus de qui? Excusez-moi. Excusez-moi. C'est dans l'anus de qui, c'est sorti. Il dit que c'est pas sa propre chair. Mais quelqu'un là, c'est dans quel anus? Ça me répond. C'est dans quel anus c'est sorti? Qui a chié ça? Qui a chié ça? Prends le micro, c'est qui a chié? C'est moi. Alors, mais tu dis c'est pas ta propre quoi? C'est toi qui a chié? C'était pourquoi? C'était dans son rythme. Mais c'est ton rythme dans l'anus de qui? C'est celui dans l'anus de qui? C'est le prophète. Appelez papa en français. Papa, papa, all over, monsieur, prenez le micro. Vous êtes sorti. Vous venez pour essayer les gens ici. Pourquoi? T'es venu m'essayer. Prends le micro, je vais parler. T'es venu me tuer, c'est ça? Comme ça, il y a marché les dents. Et puis, tu vas venir détruire le pouvoir, c'est ça, non? C'est ça? C'était pourquoi? C'était pourquoi? Pourquoi tu viens chier à l'entrée en sorcellerie? Tu as chié à l'entrée. Il dit, ce n'est pas de sa faute, mais ce n'est pas dans. Ce n'est pas affaire de l'esprit de la force, mais c'est l'esprit de la sorcellerie qui l'a fait. Donc il reconnaît avoir chié. Voilà, il dit, il reconnaît d'avoir chié. Donc c'est sorti dans la liste de qui? C'est sorti dans la liste de qui? Donc c'est toi alors. Quand il allait marcher dedans, ça allait m'aveugler et me détruire, c'est ça non? Monsieur, pourquoi je vais moi? Comment j'ai vu ça? J'ai fait comment pour voir? Moi j'ai fait comment pour voir? Demande-lui. Il m'en fout de ça. Mais c'est par esprit de la sorcellerie qui l'a animé à vous attaquer. Vous détruisez ça, non? C'était pour me détruire, c'est ça? Monsieur, c'est venu me détruire, c'est ça? Mais pourquoi tu chies devant l'église? Pourquoi c'est devant l'église? Je cherchais quoi en allant chier devant l'église? On parlait dans le micro. Il dit qu'il vous demande pardon, que lui vraiment c'est la société qui a fait qu'il parle. Non, il est venu me détruire. Lui, il est venu t'attaquer. Mais il ne connaît pas ça. Il reconnaît ça au moins. Quelqu'un va traduire? Non. Elle dit oui. Non. Non. Lui-même, il a dit un. Non, non. Qui peut traduire? Elle a fait Zaro. Vous avez peur de. Ça, là, c'est Zego. C'est pas même Didala. C'est pas même Didala. Ah, tu ne veux pas tout le mal devant les gens. Non. Il t'est fait quoi? Hé, madame. Stop. Tu as chié, t'es pour m'essayer, c'est ça? Là-bas. Hé, moi je vois clair. Faut arrêter tes conneries, t'entends les dire là. Faut arrêter tes conneries là. On va avancer. Combien? Je te pose une question quoi?
Tu mets moins. Tu mets moins, Azot. Tu mets moins. Hein? Donc ton pouvoir là, c'est petit. T'as compris? Quand tu viens ici, là, ton cœur là, c'est la carrière, c'est tranquille. Ok? Personne, quel sorcier ne met moins?